ça me choque parce que c'est de la provocation. C'est un truc, c'est pas acceptable. Absolument. J'aurais préféré mettre quelqu'un du pays. Ah, il y a des gens qui sont très choqués et qui sont très surpris de ce nom, que c'est impensable même de donner un nom comme celui de Marcel Bichard. Mesdames et messieurs les élus, chers camarades parachutistes, je vous salue d'abord avec beaucoup d'estime, de considération et d'amitié. Aujourd'hui à Bagnols, nombreux, nous sommes rassemblés pour rendre un nouvel hommage au général Bijard, soldat de légende, figure exceptionnelle des parachutistes. Ultime clin d'œil à l'histoire, ou pied de nez malicieux, le général Bijard, mondialement connu, personne vivant des parachutistes, membre du comité d'honneur de l'UMP, est mort le 18 juin 2010, jour de la célébration du 70e anniversaire de l'appel de 1940. Il a rejoint la piste sans fin et Saint-Michel. À 94 ans, il est parti silencieusement et a posé son sac. Il le savait depuis longtemps. Ce dernier combat contre la vieillesse et la mort était perdu d'avance. Pourtant, il aurait voulu mourir de vous, jusqu'au bout. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?